Allez, l'Elastic Nord, le boss final. Alors évidemment, le point de compétence ne va pas échapper, je dois réussir à le tuer sans me faire toucher. Ça, à mon avis, ça va être galère. Évidemment, hein, c'est un boss de fin. Je sais que certains jeux font exception, mais là, non, il n'est pas facile. En tout cas, comparé aux autres boss. Voilà, je dois rasser. Je suis sans arrêt en mouvement, j'ai pas envie de me faire déglinguer. Hein. Ouais, faut avoir de bons réflexes, hein. C'est pas toujours aussi simple. Là, j'ai eu... Oh, j'ai eu la chance, quand même. Ça se passe pas aussi bien, en général. Après, oui, j'ai quand même l'impression que les voleurs sont plus faciles à attraper qu'avant. Vraiment. La porte. Bon, ça doit être là. Tout simplement. Ah non, ça peut pas marcher à chaque fois. Hein. Ah non, bon, on va ramasser tranquillement. En général, c'est à peu près à cet endroit-là que j'arrivais à la voir. Alors, j'utilisais beaucoup les sauts en pleine charge pour faire des virages serrés. J'espère que ça marche toujours aussi bien. Sinon, je vais être un peu emmerdé. Alors, il y a deux endroits où j'arrivais à la voir, c'était également ici. Voilà. Ce sera plus rapide de le faire dans ce sens-là. Donc on le fait descendre. Et là, c'est la phase que je déteste. Ouais, j'essaie de le brûler, mais évidemment, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, c'est rempli de de vide. Donc vous voyez, toutes les phases où on a suivi les voleurs, bah, ça va être pareil avec un gros bonhomme. Alors ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de faire des virages serrés avec la charge en faisant des sauts, bah, comme ça. Ouais, ça marche très bien. Ça m'aurait vraiment déplu que ça ne marche pas parce que j'en étais très dépendant de ça. Là, faut juste que je le suive jusqu'au bout, je cherche pas particulièrement à le cramer. Je fais juste très attention à pas avoir trop de retard sur lui. L'idée c'est de le... Je crois de le brûler ou de lui foncer dedans alors qu'il est à peine arrivé. Si j'attends trop, ça ne marchera pas. Les sauts qui me permettent d'avoir des virages serrés. Voilà, tout simplement. Et là, vous voyez là les plateformes qui vont rétrécir petit à petit. C'est vraiment le genre de truc que je déteste. Ah non, c'est raté. Et je crois que je recommence depuis le début. Bon, au moins tous les joyaux sont ramassés, ça fait ça de moins. Alors évidemment, je dois réouvrir les passages. Ah bah, j'en avais oublié un. Donc, heureusement que je suis mort. Ouais, c'est pas aussi rigolo que tout à l'heure. Hein. Voilà. Je l'ai pas volé celle-là. Nanana. Attention. Ah, le mur. Voilà. Donc 81 vies, évidemment, ce sera largement assez. Bah, je vais essayer de le choper dès le premier tour. Allez, c'est parti.
Des fois je saute, hein, c'est pour mieux voir où est-ce que je vais atterrir, parce que pas toujours évident. Ah, voilà, vous voyez les sauts, hein, indispensables. Même ça, vous avez vu, il prend une avance confortable. C'est peut-être pas possible de l'avoir du premier tour, remarque. Ouais. Bon, ça, je le fais jamais, mais j'essaye pour voir. Ah, j'ai peut-être pris un petit peu d'avance. Oh, 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 c'est bon. Ah là là, il va trop vite. J'ai un peu cafouillé là sur le virage de tout à l'heure. On va espérer que ça soit pas trop gênant. Oh, ça va peut-être le faire. Oh, comment ça? Je dis non. Ça, c'est la plus chiante. Après, c'est pas la plus stressante, hein. La plus stressante, c'est celle de tout à l'heure où je suis tombé dans la lave. Là, y a rien de stressant après, à courir après un connard. J'ai été obligé d'interrompre ma charge parce que j'ai encore fait ça un petit peu trop serré. Oh, je suis pas trop mal là. Je suis même pas mal du tout. Ouais, c'est bon. Alors là, on va pas perdre de temps. Je vais faire comme si j'avais rien vu. J'espère juste qu'il va pas me pousser ou un truc du genre. Point de compétence, allez. Adieu Gnork. Est-ce que je l'ai? Est-ce que le fait que je sois mort, ça a tout? Ouais, c'est bon. J'ai le point de compétence. Eh bah. Désolé d'avoir mis si longtemps. Vous avez un peu oublié. Et pour Gnasty Gnork? Gnasty Gnork? Il est cuit. Et maintenant l'ordre règne de nouveau au royaume des dragons. Dans l'ensemble, j'ai encore des trésors à retrouver. Que feras-tu ensuite? On dit que le ciel n'a aucune limite. Bon, le générique, hein. On est bien d'accord pour dire qu'on s'en fout. Il nous reste le butin de Gnasty Gnork à faire. Ce sera la dernière vidéo pour les 100%, et ensuite il ne nous restera plus que les trophées avant d'attaquer le deuxième épisode.